L'axe Seine est une composante majeure du Grand Paris favorable à la compétitivité des entreprises du Havre à Paris. L'idée est de déployer sur ce territoire un système performant et cohérent de distribution qui permettra au port du Havre de devenir la porte d'entrée de l'Europe, une position plus en rapport avec sa situation avantageuse, et au Grand Paris de rayonner de par le monde. Les CCI ont identifié 4 filières d'excellence. La filière valorisation des déchets, la filière énergétique, la filière mobilité et la filière logistique et portuaire. La filière recyclage et traitement des déchets est encore peu structurée sur le territoire. Toutefois, elle bénéficie d'atouts propices. La Seine représente un axe majeur pour le transport des déchets vers des sites de traitement. Elle peut également s'appuyer sur la filière logistique performante du territoire et alimenter la filière énergie par le traitement tourné vers la récupération d'énergie. Le projet Axe Seine est un outil de déploiement de notre territoire gigantesque. Et c'est certain, comme tous les grands projets, des projets structurants, nous allons avoir en face de nous des craintes, des inquiétudes, des interrogations. Je pense que les leviers pour mener un projet comme ça, qui est un projet du siècle, il va falloir avoir des entraînements, des porteurs de ce projet au niveau national, des gens très forts, des acteurs politiques qui entraînent ce projet, accompagnés par les acteurs économiques. Le développement de l'axe Seine va nous permettre très certainement d'augmenter aussi un volume d'activité qui existe aujourd'hui, qui est un volume d'activité visant à utiliser peut-être un peu plus le grand export. Nous travaillons sur un projet structurant au niveau de CITA et de CITA Île-de-France. Les bateaux présentent un intérêt majeur, c'est le volume que l'on peut transporter. Et donc le fret retour, dans notre logique, serait constitué par des produits qui auront été triés, qui auront été préparés par CITA, qui présentent des qualités en termes de valorisation. Vous voyez, c'est un schéma qui est assez clair dans notre esprit, et sur lequel le maillage industriel visant à définir les développements est en cours chez nous. Il est nécessaire que les représentants du monde de l'économie se fédèrent pour former une masse suffisante pour travailler avec d'autres interlocuteurs sur le déploiement de ce projet vital pour notre territoire, mais pour la France de façon globale, qu'est l'Axe Seine. De par la position géographique stratégique du territoire, la forte présence industrielle et les besoins importants de la région capitale, la filière énergétique est traditionnellement liée à l'axe Seine. Une part essentielle de l'économie repose sur cette filière qui, en quelques décennies, a su prospérer et se diversifier. Bonjour, je suis Jean-Philippe Buisson, directeur de Dalkia en Île-de-France. Nous exploitons environ 11 500 sites pour le compte de 4 500 clients et avec 3 200 employés en Île-de-France. Dalkia est le leader européen des services énergétiques et nous avons centré notre offre sur l'efficacité énergétique et environnementale en prônant, comme le Grenelle de l'environnement du reste, le développement des réseaux de chaleur et de froid collectifs. Ce sont des solutions d'énergie renouvelable couplées sur des réseaux de chauffage qui sont pour nous le nouveau modèle de développement des territoires. Et nous voulons apporter ce type de solution dans vos projets, le long de l'axe Seine, sur le Grand Paris, parce que nous croyons que c'est en misant sur des solutions, la mise en place de solutions aujourd'hui de ce type, que nous inventons le visage de la ville dans laquelle nous voulons vivre demain. Le projet va être un challenge énorme parce qu'il va secouer le territoire. Donc dans ce cadre-là, le projet va générer des arrivées de techniques, des arrivées de concurrence qui sont des arrivées positives, des arrivées d'oxygène sur notre territoire. Et donc c'est un magnifique challenge pour mon entreprise pour être capable de fournir les services, les structures, les infrastructures que le territoire, dont le territoire va avoir besoin. Et pour moi, c'est un challenge magnifique.
La zone est confrontée à de nombreux enjeux nationaux et internationaux, touchant particulièrement les énergies traditionnelles. La filière est donc en pleine mutation. L'aménagement de l'axe Seine et du Grand Paris conforte leur position de territoire stratégique qui s'organise et se coordonne pour maintenir leur attractivité et la compétitivité. La filière mobilité est un acteur économique essentiel du territoire de l'axe Seine, tant par la diversité et l'importance de ses implantations que par la nature et le niveau de ses compétences. L'axe Seine, pour nous, est un territoire qui a une grande cohérence. On va dire que déjà, la Seine aval, au niveau des Yvelines, est un territoire qui démontrait une très grande cohérence en termes de bassin d'emploi, en termes de synergie entre les différents acteurs présents. Aujourd'hui, étendre cette Seine aval, je dirais, jusqu'à son terme géographique logique, qui est l'embouchure au Havre, confère à ce territoire, structuré par le fleuve, une encore plus grande cohérence, à la fois sur son volet emploi, sur son volet infrastructure et sur les différentes implantations d'entreprises, en tout cas qui nous concernent, nous, filières automobiles. Alors, l'axe Seine est important pour nous. On a eu un virage important quand nous sommes passés d'Ariane 4 à Ariane 5. Ariane 4, nous étions encore dans un transport routier. Ariane 5, nous sommes passés sur un transport fluvio-maritime. Et la Seine ne peut pas se cantonner uniquement à des transports de très grande dimension. On doit utiliser la Seine pour toute la logistique de plus petite dimension. C'est un outil économique et durable. On parle beaucoup de la plateforme multimodale d'Achères qui permettrait véritablement cette rencontre de l'infrastructure Canal Seine-Nord et de la Seine. Et une entrée portuaire forte en Île-de-France qui intéresse tous les acteurs économiques. Aujourd'hui, on sait qu'on avance plus vite sur l'aspect plateforme portuaire que sur les infrastructures routières indispensables qui permettraient à cette infrastructure de pleinement diffuser ses effets sur l'ensemble du tissu économique. Il existe trois grands pôles logistiques qui sont l'agglomération havraise, l'agglomération rouennaise et l'agglomération parisienne. Ces pôles logistiques englobent souvent des infrastructures adaptées, telles que les ports ou les aéroports. Ces activités se situent autour de la Seine et longent celle-ci de l'amont à l'aval. On observe sur la région francilienne une concentration des activités d'entreposage et de stockage. Les CCI ont constaté que la logistique fait partie des filières structurantes de cet axe et qu'elle met en avant un potentiel de développement économique pour les entreprises et les industries déjà présentes et celles qui cherchent à s'implanter. La filière logistique étant profondément ancrée dans le paysage avec une diversification de ses activités, cela permettra aux futurs investisseurs de disposer d'une prestation de qualité, d'optimiser la distribution de marchandises par le biais de la multimodalité fortement facilitée par la présence des ports et des plateformes logistiques longeant l'axe Seine. Nos ports sont répartis sur l'ensemble de la région, sur 70 sites. Nous gérons 6 plateformes multimodales et une soixantaine de ports urbains de plus petite taille, mais qui jouent aussi un rôle essentiel dans la desserte fine du territoire. Et sont traités à peu près 20 millions de tonnes par an sur l'ensemble de nos sites. Le projet de développement de l'axe Seine, pour nous d'abord c'est une évidence. L'axe Seine, c'est l'ouverture de Paris, de la région capitale, sur la mer, sur l'océan et donc sur le reste du monde, avec, comme vous le savez, une partie importante du commerce international qui alimente l'Île-de-France. Donc c'est une réponse à des soucis que les entreprises ont aujourd'hui dans l'organisation de leur chaîne logistique. Le projet Axe Seine va permettre de développer le transport fluvial sur l'ensemble de la Seine du Havre jusqu'à Gennevilliers et même au-delà. Et la douane accompagne donc ce projet en modifiant ses procédures et en les simplifiant. Les opérateurs, notamment du point de vue douanier, c'est la possibilité de payer les droits et les taxes plus tardivement parce que notre idée, c'est de repousser la frontière le plus près possible de l'entreprise. Paris Terminal, c'est un militant de l'axe Seine depuis maintenant 17 ans. Et donc là, nous avons avec d'autres partenaires, les opérateurs fluviaux, les transitaires et la douane, constitué une association qui s'appelle Axe Seine Logistique et qui est destinée à faire une communauté portuaire élargie entre les acteurs fluviaux de l'Île-de-France, les transitaires, les opérateurs fluviaux et les manutentionnaires.
Axe Seine est dès à présent tout à fait prêt pour recevoir le développement numérique, dans la mesure où c'est un territoire que nous avons couvert depuis déjà de nombreuses années. Les entreprises aujourd'hui ont en effet besoin de très haut débit, puisqu'elles sont amenées à échanger de plus en plus avec leurs différentes filiales, d'abord parce qu'elles sont complètement éclatées et parce que le volume d'informations qu'elles sont amenées à traiter est de plus en plus important. Donc deux priorités par rapport à ce projet. La première, qui est la ligne nouvelle Paris-Normandie, favorisera certainement le développement économique et industriel. Et puis probablement aussi une seconde priorité qui est le port du Havre. Le projet Axe Seine est un projet d'ambition nationale. Il est une véritable opportunité en matière économique. L'idée, c'est de pouvoir offrir une offre douanière globale, une seule et même autorisation pour les entreprises qui font transiter leurs marchandises par la voie fluviale. Les retombées du développement de l'Axe Seine seront considérables pour la Normandie et l'Île-de-France, favorisant l'arrivée de nouveaux marchés de réalisation, de nouvelles entreprises et investisseurs, et des opportunités d'affaires multipliées. Les entreprises sont donc au premier rang pour bénéficier des initiatives publiques fédératrices d'un projet s'appuyant sur les besoins et les attentes du monde économique de l'Axe Seine. La CCI, pour nous, les CCI du moins, ont un rôle tout à fait déterminant pour alimenter en information toutes les entreprises de la zone. Je crois que les CCI sont des interlocuteurs reconnus, notamment dans la démarche de concertation avec les administrations. Ça a été un support essentiel d'avoir la Chambre de commerce à nos côtés pour mettre en place ce moyen. C'est une brillante idée que la CCI prennent un certain leadership sur ce projet. Les CCI jouent un rôle absolument irremplaçable.